In the 1980s, Eric Marie studied in Taiwan and became fascinated with TCM. Now he runs a TCM clinic in Montpellier, France. The ink paintings decorating the walls of his studio are his own works. Discipline de la médecine chinoise. On accorde plus d'importance à la physiologie, on a une vision plus fluide de mouvement des souffles, du sang, etc. Et une vision beaucoup plus globale de l'être humain. Donc on ne le considère pas comme une machine, on le considère comme la réunion des souffles du ciel et de la terre. Marie has been teaching Chinese medicine for decades. He often dines at local Chinese restaurants and discusses TCM with his students. J'ai moi-même eu la chance d'y enseigner. Et tout autour de ce mur, vous voyez donc des portraits d'époque d'un certain nombre de grands médecins de la faculté de médecine de Montpellier. De la stagnation du qi par le procédé donc réduit, hein, et en réduisant les liquides, concentre le sang de plus en plus. Hein, et etc. Il y a peu de thérapeutiques proposées pour les femmes enceintes. Au départ, c'est ce qui m'a poussé à commencer. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, en médecine chinoise, je trouvais plus de propositions de traitement que ce que je pouvais en trouver en médecine occidentale dans beaucoup de pathologies. Marie integrates theory with practice. He also has a wide variety of interests. For Marie, ink painting and calligraphy are not only a means of self-cultivation, but also provide an insight into TCM. Lorsqu'on fait de la médecine, il faut que chaque compréhension d'une étape différente dans l'étude de la médecine chinoise permette de faire de caractères plus équilibrés en calligraphie, de mieux percevoir la composition d'une peinture, et ainsi de suite. Observer le paysage et déceler les erreurs, les endroits où le souffle ne circule pas correctement, revient à faire un diagnostic médical. Il y a une esthétique et différents bois peuvent se marier pour donner, pour se mettre en valeur mutuellement, pour contraster, etc. Parfois, comment dire, un bois est très clair, il va être relevé par une ligne d'un bois plus foncé. Donc d'une certaine façon, sur le plan esthétique, on retrouve ce qu'on a sur le plan médical dans des formules de pharmacopée. Marie introduced more people to the philosophy behind TCM at the International Conference on Education and Psychological Sciences. Oh. Eric Marie is not only an outstanding doctor, but also an artist. He says he often ponders questions like how to achieve an equilibrium between the physical and the spiritual, all the while carrying forward the TCM philosophy of creating wholeness and harmony within a person. Yang Ran, CGTN.